installés anarchiquement sur le trottoir font courir des risques aux piétons, mais aussi aux conducteurs qui, eux, peinent à se garer. Héritier Banabélé, Jonsi et Lila de notre rédaction vous proposent ce reportage. Ce marché de rue est le seul espace où les vendeurs du quartier Soproji peuvent écouler du poisson, des légumes, du manioc, de la friperie et divers. Un marché de fortune qui se prolonge jusqu'à l'arrêt de bus et sur les trottoirs. Cette situation devient désagréable selon les responsables de cet espace. L'État n'a pas prévu un espace approprié pour le marché, mais les conditions de vente sont vraiment difficiles. Les véhicules y passent. Quand il y a un embouteillage là-bas, ils profitent de cette avenue-là pour y passer. Ce problème-là date de longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. De ce projet dans l'arrondissement 9 Djiri, au rond-point Mazala dans le 4e arrondissement Mungali, le constat est le même. Ce petit marché parallèle qui a pris de l'ampleur lors du confinement est la conséquence de l'étroitesse du marché de Mazala. Sur les artères, c'est mieux parce que sur les artères, tu vends mieux que marché. Au marché, il est qui entre encore au marché. Partout, il y a ce marché. Là. Donc vraiment, nous nous débrouillons ici. Cette pratique du commerce à 0 mètre de la chaussée, que préfèrent beaucoup de vendeurs un peu partout à Brazzaville, n'est pas sans conséquence. Ils sont au bord de la chaussée. Une voiture qui peut manquer de frein va finir sa course sur qui ? Sur la personne qui est plus proche, le vendeur du marché, ça c'est la réalité. Mais aujourd'hui, personne ne peut défier le cas. Les clients n'entrent plus ici. Tout est vendu dans la rue, là-bas, dans la grande avenue. À manger, les mèches, les plastiques, tout ça se vend maintenant dehors là-bas. Ici dans le marché, les clients ne rentrent plus. Nous n'avons pas de clients ici dans le marché, mais on paye beaucoup de taxes. Voilà pourquoi la police et la mairie de Djiri ont déjà discipliné les vendeurs qui occupaient les trottoirs du marché Massengo. Il y avait des mamans qui vendaient par-ci, par-là, là. Mais on a eu au moins l'ordre de discipliner les mamans et les mamans sont contentes pour ce qui se passe. Fort de la prolifération de marchés de rue à Brazzaville, certains Congolais appellent les pouvoirs publics à accompagner la croissance démographique par la construction des infrastructures sociales comme les marchés. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.